Brigitte Gilbert. Je serais contente qu'on passe un petit moment ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Écoute, la Journée internationale des femmes, c'est une journée exceptionnelle où on peut penser d'où est-ce qu'on arrive, où est-ce qu'on s'en va. L'industrie de l'emballage, toi, tu es dans l'industrie de l'emballage, carrousel, c'est considéré comme une industrie qui est très traditionnelle. Comment tu vois l'avenir de cette industrie-là, toi? Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'emballage. Ça ne fait pas toujours bonne presse, l'emballage, mais il ne faut pas oublier que l'emballage s'est inventé au départ pour protéger le produit, donc sauvegarder les ressources. Par contre, le produit d'emballage comme tel, il faut le repenser, il faut le transformer pour s'assurer justement qu'il soit durable et que nos ressources soient durables. Ça fait que c'est sûr que c'est en grande transformation, mais il y a un problème de fond qu'on doit régler avant, c'est vraiment de réduire nos déchets. Fait que ça, il y a plusieurs enjeux, c'est pas simple à régler, c'est déjà commencé depuis longtemps. Mais on a beaucoup de travail à faire. Fait que c'est sûr que, oui, c'est un domaine, l'emballage, assez, encadré, assez rigide. On va toujours avoir besoin d'emballage. On n'ira jamais chercher notre farine à l'épicerie puis revenir avec notre farine dans nos mains. Ça va toujours prendre quelque chose. Mais en même temps, il faut complètement changer nos paradigmes parce que notre planète, il faut s'en occuper, il faut la préserver. Puis chez Carrousel, ça fait déjà longtemps qu'on a commencé à y penser. Je pense qu'on est assez précurseur à ce niveau-là. Mais d'où un peu le sens de ta question, c'est que je pense qu'il faut avoir de l'ouverture parce que oui, c'est traditionnel, mais en même temps, ça prend beaucoup de créativité pour imaginer l'emballage de demain. Puis il faut sortir en dehors de notre confort. Il faut sortir en dehors de nos baskets. Il faut avoir de la créativité pour pouvoir imaginer l'emballage de demain. Parce qu'il faut absolument préserver notre planète. Et ça, c'est le rôle de qui? Est-ce que Carrousel a un rôle à jouer dans ça, dans cette transformation? En fait, nous, chez Carrousel, on est distributeurs de produits d'emballage. On a la chance d'être un des plus gros. En fait, on est le plus gros distributeur indépendant au Canada. On a un immense pouvoir d'achat. Carrousel, cette année, a fêté ses 50 ans. Donc, ça fait 50 ans qu'on est dans le marché de l'emballage. On est connu. On a une belle clientèle qui nous fait confiance, avec lesquelles on peut développer des concepts. On peut donc influencer nos manufacturiers puis les aider des fois même à créer de nouvelles idées. En tant que distributeur, c'est pas mal là où s'arrête notre pouvoir, dans le fond, c'est d'influencer. Par contre, on fabrique une seule ligne de produits. Parce que chez Carrousel, on a des milliers de produits différents, autant emballage alimentaire qu'industriel. Mais la seule ligne de produits qu'on fabrique nous-mêmes à Boucherville, ce sont les sacs en papier qui sont principalement conçus pour le pain. Si on pense à Première Moisson, Aroma, Maison Cousin, etc., on en a plein, Boulard. On crée, on fabrique et on imprime le sac à pain en papier. On en fait aussi pour la pharmacie. Là, je dis pain parce que c'est principalement ça. Mais nous, chez Carfabel, on a appelé notre usine Carfabel qui existe depuis plus de 25 ans. On a cette conscience-là d'utiliser des papiers faits de matières recyclées. On a une fenêtre en cellophane qui est faite à partir d'amidon de maïs. Notre encre, c'est de l'encre écologique. On n'utilise pas de... notre colle, c'est une colle écologique. Bref, on a cette conscience-là depuis presque le début de l'existence de Carfabel. Toutes les autres lignes de produits, on les achète de nos manufacturiers, principalement le plus possible au Québec, après ça au Canada, un peu aux États-Unis, puis très, très peu provenant d'Asie et d'Europe. Donc, on a cette conscience-là aussi depuis longtemps.
Mais ces lignes de produits-là, ben, sont créées par nos manufacturiers, dont je pense à un de nos manufacturiers avec lequel on fait affaire depuis le plus longtemps, depuis presque 50 ans, c'est Cascade. Entre autres, on a Polar, Deluxe, on a vraiment 300 quelques fournisseurs, je ne pourrais pas vous les nommer, ce n'est pas intéressant de toute façon, mais ce sont des partenaires d'affaires. T'sais, on aime dire qu'ils font partie de la famille parce qu'avec eux, on est capable d'avoir des discussions pour essayer d'imaginer l'emballage de demain. Fait que c'est vraiment stimulant parce que c'est pas seulement on achète, on revend, c'est on ajoute de la valeur parce qu'on imagine ensemble puis on crée ensemble. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Merci, Brigitte. Brigitte Jalbert est arrivée dans une industrie ou dans une entreprise qui était une entreprise familiale. J'ai vu ton livre cette semaine, La fille qui ne devait pas être PDG. J'ai très hâte de commencer à lire, mais j'aimerais ça que tu me dises quelque chose parce que quand toi, tu es arrivée en poste, c'était une entreprise qui appartenait à ton père. Quel changement au niveau de la pensée, de la posture mentale t'as vu? Est-ce que c'est la même que quand tu es arrivée? Et sinon, qu'est-ce que tu vois qui a évolué dans le temps avec l'arrivée de Brigitte Jalbert à la tête de cette entreprise? Oui, c'est une bien bonne question. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé parce que ça fait tellement longtemps que je suis ici. Je suis ici chez Carousel depuis 1986. L'entreprise avait 15 ans à ce moment-là. Moi, j'avais à peine plus de 15 ans. Et puis, tu sais, oui, à ce moment-là, c'était mon père qui était président, fondateur, mais on était comme 22-23 personnes seulement dans l'équipe. Maintenant, on a plus de 425 personnes. Fait que c'est sûr que il n'y a rien d'immuable. Tout change. Les façons de faire changent. La mentalité change. On a des gens de plusieurs communautés, plusieurs pays différents, plusieurs ethnies. Moi, je pense que ce qui a donné autant de force à l'entreprise, c'est justement la diversité, tant au niveau des idées que des façons de voir les choses, de faire les choses. Mais aussi la diversité dans notre offre de produits, la diversité dans les mentalités, dans le sens qu'on a plusieurs générations, on a des personnes plus âgées comme moi, j'en suis une, mais on a des jeunes de la génération Y qui amènent leur façon de voir les choses, puis qui enrichissent vraiment nos façons de faire. Quand c'était mon père, je peux dire que c'était peut-être à ce moment-là plus un one-man show. C'est sûr que mon père a parti l'entreprise avec un 20 $ dans ses poches, puis il fallait qu'il pense à la survie de la famille parce qu'il venait de perdre son emploi. C'était pas une entreprise qui a été créée après avoir fait un plan d'affaires, puis travaillé sur un plan de financement sur 2 ans. Non, non, ça a pris une fin de semaine pour prendre la décision. Il a commencé à acheter de la marchandise, il a mis ça dans son garage, puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que c'était plus par survie que d'autres choses. Fait que lui, il n'a pas fait un MBA pour se partir en affaires. T'sais. Il est allé avec les moyens du bord. Puis moi, quand je suis rentrée dans l'entreprise, ben c'était un petit peu la même chose. T'sais, moi, j'étudiais en photographie. Et quand je suis arrivée chez Carousel, je voulais travailler l'été en attendant de me trouver un emploi dans mon domaine. Puis je trouvais pas ça valorisant à ce moment-là de travailler dans un bureau. T'sais. On se reporte là en 1986. Moi, j'avais l'impression que travailler avec mon père, c'était comme trop facile parce que je me disais, c'est sûr qu'il va m'engager, je suis sa fille, c'est pas pour mes compétences, tu sais. Fait que ça, je trouvais que ça m'allait pas du tout non plus le style de travail de bureau. Donc, pour essayer de faire ça plus court, ce que je trouve qui a changé, c'est qu'avec le temps, de one-man show, on est passé à un système de gestion ultra collégiale. La journée où je suis devenue présidente en 2011, ça fait presque 11 ans,
La première semaine, j'ai fait des gestes en ce sens-là, des gestes solides, où est-ce que j'ai commencé à bâtir mon équipe de direction. Je me voyais quelques forces, mais je me voyais beaucoup de lacunes. Fait que je me suis dit, il faut que j'aille chercher les gens qui ont les compétences que moi, j'ai pas. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à aller chercher des gens à l'extérieur. Ce pourquoi mon père n'avait pas... c'était pas dans sa... Comment je dirais ça? Ça le tracassait, je pense, aller chercher des gens, des grosses pointures à l'extérieur. Puis, il y a une question peut-être économique. C'est sûr qu'il se disait, bon, ces gens-là, ils ont le salaire qui vont avec. Mais je pense qu'aussi, inconsciemment, il avait peut-être un peu peur de se faire dire quoi faire. Puis, il était, veut pas, le président fondateur, je pense qu'ils veulent un petit peu garder comme le contrôle sans le vouloir, tu sais. Ça fait que lui, c'était pas dans sa philosophie. Mais moi, c'est l'inverse, tu sais. Je suis allée chercher des grosses pointures. Oui, on les a payées peut-être plus cher que ce qu'on avait en tête. Mais en même temps, ils nous ont permis de nous dépasser. C'est comme si on était passé du secondaire au cégep ou du cégep à l'université ou du bac à la maîtrise. T'sais. On a comme évolué plus vite. On est devenu encore plus professionnel, encore plus, encore meilleur. Puis, ça a pris un élan, c'est comme exponentiel après ça. C'est qu'en 10 ans, Ça fait peut-être vantard de dire ça, mais j'aime ça le dire parce que en 10 ans, on a doublé le chiffre d'affaires. Moi, en janvier 2011, quand j'ai reçu mon père à souper à Québec, il fallait que j'y parle puis que je dise « Papa, c'est maintenant, tu sais, il faut que tu me passes le flambeau parce qu'un jour, je vais vouloir, moi, le passer à quelqu'un d'autre, tu sais, pour que l'entreprise soit pérenne. Mais pour le passer, il faut toujours bien que j'y touche. » Alors cette journée-là, ce soir-là, à ce souper-là, il me regardait en voulant dire « Oh, ma petite fille! » Il s'inquiétait peut-être un peu pour moi, mais moi, j'ai dit « Papa, je te garantis, toi, tu as amené l'entreprise à 100 millions, je te garantis, je l'amène à 200 millions. » Puis là, il me regardait avec des yeux en voulant dire « Je pense que tu exagères. » Puis finalement, notre année fiscale se termine le 28 février, puis là, en tout cas, on veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais vraisemblablement, on dépasse le 200. Donc, je pense que j'ai eu la bonne idée de me créer cette équipe de direction-là. C'est pour ça qu'on dirait que j'ai pas peur à la suite des choses, parce que j'ai tellement... comment je dirais ça, donc? Ça transperce mon corps, mon ADN, ce désir de vouloir à tout prix conserver la culture de l'entreprise. Donc, ça fait 10 ans qu'on parle de ça, de culture, d'être près des gens, de l'empathie, de l'écoute. Avec tout ce qui se passe, la COVID, puis tu sais, on parle de ça, la posture employeur, tu sais, vouloir être plus près de nos gens, la bienveillance, mais chez nous, c'est inné, on dirait, tu sais, on ne l'a pas inventé, on n'est pas meilleur que les autres, c'est juste que c'est comme plus naturel, parce que peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas, mais depuis que je suis ici, puis encore plus depuis que je suis présidente, notre culture, c'est ça, c'est écrit sur les murs, bienveillance, écoute, empathie. Ça fait qu'on ne peut pas faire autrement que de le passer à nos prochains, puis de créer une ambiance ultra collégial. On est vraiment chanceux. Notre équipe a épousé cette philosophie-là. T'sais, je t'écoute et tu me dis on est vraiment chanceux. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a provoqué la chance à l'externe parce que ça prend un petit chien de garde de cette provocation-là. Tu parles de passer le flambeau. Oui. Donc, tu sembles être une femme qui est en train de préparer sa relève. Ta vision pour ce transfert de leadership, là, tu vois ça comment? Tu sais, le savoir-faire, l'expérience, la science, les diplômes, ça s'acquiert. Hein? C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui...
Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont peut-être plus de façon innée, mais moi, j'ai toujours opté quand je vais chercher des gens pour s'ajouter à notre équipe, j'ai toujours opté pour le savoir-être, tu sais, aller chercher des gens qui vont nous ressembler au niveau de nos valeurs. Puis, je pense que l'équipe que j'ai su créer, oui, ils ont les compétences que moi, j'avais pas, puis que j'ai encore pas, mais ils ont ce petit fond d'humanité-là ou d'humanisme-là en eux. Ils ont cette écoute-là. Alors, oui, je suis en train de préparer ma relève, malgré que je n'ai pas de date de retraite décrite encore, là, mais je suis devenue grand-mère cette année. On a fêté notre 50e. Pour moi, c'est comme un jalon, c'est comme un moment important dans ma carrière. Ça fait 10 ans aussi que je suis présidente, donc 2021-2022, c'est le début d'une nouvelle vie. Mais je suis pas inquiète parce que j'ai l'impression que toute cet amour-là que je ressens pour mon entreprise, parce que c'est mon père qui l'a créé, j'ai vraiment l'impression, puis peut-être que j'ai des lunettes roses, là, puis ça se pourrait bien, mais j'ai l'impression que mes proches, mon équipe de direction, mais même le restant de l'équipe des 425 personnes ont acquis ou ont ressenti cet amour-là, puis ça en sont fait leur amour. C'est comme si, en tout cas, j'ai l'impression d'être dans une secte des fois quand je parle de ça, là, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut venir dans l'entreprise pour le ressentir. Il y a vraiment quelque chose qui nous lie, puis je pense que c'est ça, c'est l'amour de l'entreprise. Tu sais, c'est pas pour rien, là, on le voit pas, là, mais derrière moi, j'ai un gros cœur en bois, puis ça, c'est les employés qui me l'ont donné. L'année que mon père est mort, c'est en 2016, ils m'ont fait faire ce cœur-là qui est en bois de grange avec du bleu parce que notre logo est bleu. C'est que, tu sais, il y a quelque chose là de vraiment palpable dans l'amour que les gens ici ressentent pour l'entreprise. C'est vraiment beau à voir. Fait que je suis pas inquiète pour le futur. Construire la passion et la transmettre. Merci, Brigitte, c'était un bonheur. Ça me fait plaisir, Ruth.